Notre bateau est en route pour la Jamaïque. Cette île dans les Caraïbes, 234 km de long et jusqu'à 80 km de large, est située au sud-est de Cuba et au sud-ouest de Haïti. Notre destination est Ocho Rios, une petite ville de 8200 habitants sur la côte nord de l'île, enserrée entièrement par la forêt vierge. Notre bateau a amarré et nous pouvons débarquer. Ocho Rios veut dire 8 rivières, mais le nom est trompeur parce qu'il n'y a que 3 rivières qui se déversent dans la baie. Comme de coutume, l'administration du port nous souhaite la bienvenue. Tout de suite, derrière nous attend un marché typiquement touristique avec les souvenirs habituels, essentiellement produites en Chine. Sauf peut-être les sculptures sur bois dont nous pouvons admirer quelques œuvres d'art. La grande attraction touristique ici, ce sont des chutes d'eau de la rivière Dan. L'aventure commence au pied des chutes. Là, s'attroupent les candidats aventureux pour une escalade de rochers qui leur semble à première vue monstrueuse. Il s'agit de gravir les chutes d'eau depuis le bas en haut. Un premier coup d'œil sur la masse d'eau se déversant depuis le haut laisse l'un ou l'autre douter d'avoir pris une bonne décision quand il a décidé de participer à cette escalade. Dans un premier temps, les gens restent plantés au pied de chute et aucun semble vouloir être le premier pour risquer l'aventure. Un guide professionnel, parmi les nombreux qui travaillent dans ce parc pour gagner leur vie, se pourvoit finalement aux candidats et une première chaîne humaine se forme. Quelques gens ont trouvé l'endroit parfait et jouissent des eaux torrentielles. Il est recommandé d'effectuer la grimpe au moins à deux, car on se trouvera parfois dans des situations dans lesquelles on sera content de pouvoir s'appuyer sur un partenaire. En 1962, quelques scènes du premier James Bond film avec le titre James Bond 007 contre Dr. No, dans lesquelles participa Ursula Andress, ont été tournées sur la plage de ces chutes. La hauteur entre le pied et le sommet des chutes mesure autour de 220 mètres. Une escalade confortable avec des arrêts de photos requiert entre 1 heure et 1 heure et demie. Finalement, nous avons atteint notre but, le sommet des chutes. Il est temps que nous prenions congé.